La réglementation sur la protection du consommateur. Mettre en œuvre l'obligation d'information et de conseil. L'obligation d'information et de conseil du vendeur peut porter sur le motif d'indisponibilité du produit, le prix, les caractéristiques techniques, les offres promotionnelles, les facilités de paiement et les modalités de mise à disposition. Appliquer la réglementation en matière de protection du consommateur. Suite à un achat en ligne, le consommateur doit respecter deux conditions pour mettre en œuvre son droit d'extractation. 15 jours après réception du produit, contacter le service client et ensuite retourner le produit sans trace d'utilisation dans son emballage d'origine dans les 14 jours à compter de l'enregistrement de la réclamation. Apporter des solutions conformes à la réglementation. La réglementation prévoit trois garanties pour protéger le consommateur contre les dysfonctionnements des produits, la garantie légale de conformité, la garantie légale contre les vices cachés ou encore la garantie commerciale ou contractuelle. Gérer les litiges. Donc, la gestion d'un litige implique le respect de la procédure suivante. Il faut donc le refus d'une solution à l'amiable, l'envoi par le client d'un courrier au service litige, une réponse du service litige et éventuellement un envoi par le client d'un courrier au médiateur de la consommation. Created using Powtoon.